Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux à Angers. Vous êtes dans un lieu formidable qui, je l'espère, vous permettra de travailler sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je vais parler en quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue à Angers, donc pour notre maire président Jean-Marc Verchères, étant moi-même Corinne Bouchoux, conseillère municipale à Angers et en charge à Angers-Loire Métropole des mobilités et de la transition écologique. Le croisement entre la thématique de la transition écologique et la vie dans les quartiers devrait être en réalité une priorité. Ce fut évoqué en 2020 lors de la campagne électorale et nous avons à Angers fait de ce sujet notre préoccupation principale, la transition écologique, la rénovation urbaine de deux de nos quartiers et nous avions un troisième axe fort, la culture. Pourquoi devons-nous être particulièrement impliqués sur cette problématique de la transition écologique et des habitants de nos quartiers? Parce que, tout d'abord, dans nos quartiers, nous avons des populations qui sont les principales confrontées à la question de la sobriété. C'est d'ailleurs plus souvent une sobriété subie qu'une sobriété choisie. Et donc, il nous incombe de voir comment nous devons, dans le contexte de dérèglement climatique actuel, être sur nos deux jambes, travailler collectivement, tous ensemble, de manière inclusive, pour faire en sorte, évidemment, d'atténuer tout ce qui peut l'être en matière de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Et nous devons aussi apprendre à vivre dans un contexte particulièrement compliqué. Et nous avons là un enjeu qui est un enjeu climatique collectif. Nous savons, à l'échelle de notre territoire et d'ailleurs à l'échelle planétaire, que les plus précaires sont les premiers exposés au dérèglement climatique. Et ensuite, nous devons, dans tous les domaines où nous avons un impact important, pouvoir travailler avec les populations, éduquer à la mobilité, aider, lorsque c'est possible, de faire face à des rénovations via les bailleurs sociaux ou via des dispositifs comme Mieux chez moi. Nous devons, dans tous les domaines, et y compris aussi le domaine de l'alimentation, être capables de nous dire que ce ne sont pas d'un côté les quartiers et d'un autre côté la lutte face au dérèglement climatique, mais que ces deux thématiques sont étroitement intriquées et que nous devons y travailler. C'est une question de justice sociale, c'est une question aussi d'éthique, et je pense que votre journée sera riche en échanges, que toutes les collectivités territoriales représentées pourront voir que c'est un axe stratégique majeur et que nous ne pouvons pas juxtaposer les problématiques, mais nous devons traiter cela de manière intégrée. Et en réalité, les politiques publiques doivent être en premier au service des plus précaires, des plus démunis, les rendre acteurs et faire valoir leurs droits à la mobilité, à la justice et à lutter efficacement face au dérèglement climatique. Je vous souhaite de bons échanges. Je sais qu'il y sera question de travaux, je sais qu'il y sera question d'expérimentation. Et j'espère que de votre journée de réflexion pour les 4 ou 5 collectivités organisatrices, nous pourrons engager ensemble de nouveaux travaux et les poursuivre. Vous savez qu'ici, nous sommes sur deux chantiers majeurs de rénovation urbaine, le chantier de Belle-Bail, le chantier de Montplaisir, qui seront en juillet reliés par notre nouvelle ligne de tramway. Je vous souhaite de bons travaux et j'espère pour une séance future pour pouvoir poursuivre avec vous ces travaux à vos côtés. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée.